C'était bien, Maria. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit, après un shooting, on pourrait se prendre un verre tous les deux. Ce soir, je peux pas. Je vois déjà quelqu'un. T'es sûr? Qui? Une amie? Dommage. Une prochaine fois alors? Ouais. Tu me le promets? Oui, je te promets une prochaine fois. D'accord. Au revoir, Maria. Qu'est-ce qu'on a sur la victime? C'était Maria Tignan. Elle faisait un shooting photo avec Kanto. Kanto, le photographe? C'est affreux, monsieur l'inspecteur. Je vous adresse mes plus sincères condoléances. Merci. Rassurez-vous, nous trouvons le coupable. Je n'en doute pas. Sachez que je reste à votre disposition en cas de besoin. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé hier soir? Hier soir? Après le shooting, chacun est rentré chez soi. Il n'y avait rien d'inhabituel, quelque chose qui sort de l'ordinaire? Non. C'est notre dernier shooting ensemble. Une femme formidable. Je suis triste qu'elle ne soit plus parmi nous. Merci de votre coopération. Je dois y aller maintenant. Monsieur l'inspecteur. Oui. Dites-moi, Kanto. Faut que je vous dise quelque chose. Vous savez, entre le photographe et son modèle, c'était une relation de confiance. Et Maria me racontait souvent qu'elle se disputait avec sa compagne. Sa compagne? Oui, monsieur l'inspecteur. Sa compagne. Je suis désolé pour ce qui vous arrive, madame. Rassurez-vous, nous trouvons la coupable. Vous pouvez me parler de Maria? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps? C'était notre anniversaire hier. Je l'attendais pour qu'on le fête ensemble. J'ai une surprise pour toi. Une surprise. Auriez-vous quelque chose à me raconter? Non. Ça vous arrivait de vous disputer avec Maria?
Qu'insinuez-vous, monsieur ? Je n'insinue rien du tout, madame, je fais mon travail. Elle était ma conjointe. On se disputait comme tous les couples qui se disputent. Et vous ne vous êtes pas disputé hier ? Je n'ai pas rentré, hier. Que faisiez-vous hier soir entre 20h et 23h ? Je ne vous permets pas, monsieur. Je me permets, madame. Je vous prie de coopérer. Comment voulez-vous que je coopère alors que vous m'accusez d'avoir tué la femme que j'aime ? Partez maintenant ! J'ai besoin de rester seule. Altus, j'écoute. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Comment avance votre enquête ? Écoutez, j'y travaille. Mais pendant que vous êtes là, est-ce que je peux vous poser une petite question ? Oui, monsieur l'inspecteur. Le soir du meurtre, qui est sorti en premier du studio, vous ou Maria ? C'était moi qui suis sorti en premier. Donc après que vous êtes sorti, il est possible que... Il y a une image qui m'obsède, monsieur l'inspecteur. Celle d'Hélène qui rentre et qui tue Maria. Merci pour ces informations, Canto. Bonsoir, Hélène. Qu'est-ce que tu fais là ? Je te dérange pas. Non, du tout. Rentre. Comment tu te sens, Hélène ? Mal. Toi aussi, l'inspecteur t'a dérangé ? Il ne m'inspire pas confiance. J'ai l'impression qu'il me soupçonne. Mais c'est normal, Hélène.
Dans ce genre de situation, c'est normal qu'il te soupçonne. Mais on sait très bien tous les deux que c'est pas toi qui l'a tué. Tiens, laisse-moi t'apporter quelque chose à boire. Je peux avoir les photos de Maria, s'il te plaît. Oui, bien sûr. J'ai commencé à les développer. Elles sont sur la commode.